Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Oui, après plusieurs mois d'absence de vidéos usage, c'est comme vous les aimez, je suis enfin de retour avec un tout nouveau mode de jeu et pas n'importe lequel. Jujutsu Kaisen UHC. Depuis le temps que vous me le demandez, il est enfin là et qui dit nouveau mode dit nouvelle mécanique avec ici énormément de références à l'anime. Comme par exemple les extensions de territoire, les objets de pouvoir utilisables avec de l'énergie occulte, les doigts de Sukuna ou encore le sixième œil. Le tout dans une map customisée spécialement créée pour le mode de jeu. Alors si le retour des UHC vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant votre meilleur like. D'ailleurs, si on obtient les 500 likes avant mercredi, je vous sortirai dès ce mercredi une vidéo sur un tout nouveau mode de jeu qui risque de vous plaire. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et si ce n'est pas déjà fait, pour ne pas rater ça, n'oubliez pas évidemment de vous abonner et d'activer la cloche, ça serait vraiment dommage de rater ce rendez-vous. Ah oui, j'oubliais, ça c'est moi. Vous allez voir pour une des premières fois ma tête sur YouTube dans quelques instants, mais si vous souhaitez me voir plus souvent jouer à vos modes de jeu préférés sur Minecraft, comme ça a été le cas avec Jujutsu Kaisen UHC, vous pouvez venir me suivre sur Twitch où je suis de retour en force, le lien est en description. Ceci étant dit, revenons au sujet de la vidéo, Jujutsu Kaisen UHC. Mode de jeu tiré du manga portant le même nom, où deux grands camps principaux s'affrontent. D'un côté les exorcistes qui sont les gentils, et de l'autre les fléaux qui sont les méchants. On retrouve également le célèbre Sukuna qui est solitaire, ainsi que le duo Yuta et Rika qui doivent gagner à deux. Du côté des exorcistes, vous pourrez retrouver vos personnages préférés comme Gojo, Fujigoro, Yuji, les sœurs Zenin, Mekamaru, etc. Mais aujourd'hui, pour cette toute première vidéo sur le mode, nous incarnerons un rôle du côté des fléaux qui n'est ni plus ni moins que Suguru Geto, qui a un rôle assez simple mais on ne peut plus important, vous allez le voir. Déjà, premier gros avantage, je possède l'effet force de façon permanente et pas uniquement la nuit comme beaucoup de mes alliés. Ensuite, je connais beaucoup d'autres fléaux puisque j'ai dès l'annonce des rôles l'identité de Dagon, Anami et Jogo, qui sont ici Salar, Darling et Altastra. En ce qui concerne mon autre pouvoir, qui est très occasionnel mais le plus important, il se nomme la lisière du supplice. Pouvoir que je pourrai activer à partir de 1h30 de jeu et qui me permettra tout simplement de sceller l'énergie occulte de Satoru Gojo, qui est, pour ceux qui ne savent pas, juste le meilleur exorciste du mode de jeu. Je devrais alors être à moins de 15 blocs de lui, et si je réussis à l'activer, il ne pourra pas utiliser ses pouvoirs, et donc notamment sa très puissante extension du territoire. Personnellement, malheureusement, je ne possède pas d'extension de territoire, mais deux des fléaux dont je connais l'identité en possèdent. Il s'agit de Dagon et Anami, ici respectivement Darling et Salar. Cependant, ils ne connaissent pas mon identité, donc il sera indispensable de rapidement les rejoindre et leur faire comprendre que je les connais. Pour ce qui est des autres spécificités du mode de jeu comme les doigts de Sukuna ou encore le sixième œil, vous les découvrirez tous au fur et à mesure de la vidéo. Pour le moment, il est temps de remonter et de rejoindre tout le monde au centre. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne vidéo. Ça va ou quoi? Non. Ouais, tranquille. Ah, ok. Il y en a un, il dit non, il y en a un, il dit tranquille. Pourquoi non? Parce que je connaissais pas le truc, il manquait une info dans la description de mon rôle. Ah. Et du coup, je me suis fait baiser, frère. Mérité. Et les rôles des autres là? Darling, par exemple, je vous préchote qu'il a un bon rôle d'ailleurs. Non, le rôle de clochard. De clochard carrément. Ouais. Tu es Itadori. Même en m'étant fait baiser, moi je kiffe mon rôle, il est trop bien. C'est vrai? Oh, le mien est pas trop compliqué, ça c'est cool. Oh, le new Lélé! Ouais! Mais comment il va? Ça va être un mec? Bah, ça va. J'espère qu'on est dans le même camp. Hein. Bah j'espère aussi que du bonheur. Du coup, j'ai envie de gagner, d'accord? Oh bah gros, ça tombe bien à ton avis. Moi aussi. Si tu win la game, je te paye un sub. Mais c'est déjà win en fait, frérot. Ah voilà. Vas-y, j'attends. Déjà win. Fin de la game, je te paye un sub. Let's go hein. Eh tu sais que vraiment t'es trop BG, j'ai jamais pu. Je peux pas gratter, mais s'il gagne la game, je peux avoir le sub. Ah ouais. Pégafilior, est-ce qu'on peut continuer cette conversation, cette fameuse conversation? Attends, c'est qui parle? C'est toi C'est Wixi. C'est Wixi qui parle. Ah, ça va, Henri? Ah, j'étais ça moi la dernière fois. J'étais Todo. Vous pose la question, quel est ton style de femme? Et me pose pas de, questions. T'auras pas de réponse. Voilà, les gars. Tu m'as posé une réponse assez douteuse. Hein. Bah gros, pose trop de questions toi aussi. Taillé toi et moi parce que apparemment ça te safe et donc j'aimerais. Attends, y'a Wixi. Qui moi? Non, Wixi. Ah, ouais. Oui, Wixi, je sais ce qu'il est. Apparemment ça te penche gentil. Apparemment t'es. Mais mon frérot, j'avais compris hein. J'avais compris, t'inquiète hein. On a déjà une info les gars. On sait que du coup c'est Wixi Todo. Il est gentil mais il est pas avec nous quoi. Des blagues, je comprends rien. Wesh, les potes. Mais ça va, vous faites confiance ou pas? Non, pas du tout, on échange pas du tout. Moi, je peux vous assurer que vous êtes des menteurs. Ah ouais, ça. Comment ça? Des menteurs. Bah, vous trustez.
Non, attends. Non, c'est pas possible. Si. Si vous avez cru, votre groupe a cru une information qui était pas là. Ah non, mais j'ai pas d'infos moi. Enfin, si, j'ai pas d'infos de ce groupe, moi j'ai mon info. Ah, mais trop bâtard, j'ai trop peur, frère. Il y a eu une tension qui s'est installée là. Ça va? Bizarre. Si t'as une info, moi je suis chaud. C'est quoi ton info? Mon info, c'est que. À mon avis, ils mentent. Ils ont dit quoi? Ils disent qu'ils genre, ils se parlent comme ça. Genre qu'ils restent ensemble comme ça. Attends, t'as combien de diamants, Pega? J'en ai deux. Là, j'en ai un en rap, il y en a qui sont chauds. Mais non. Comme ça, tu te fais un casque. Bam! Bah, tu sais quoi, j'avais déjà assez, mais merci, frérot. Bien joué. Non, je peux stack. Voilà, merci. Attends, rends le diamant, je vais le passer à ceux qui en ont besoin. Non, je le garde. Un peu trop de rôle et ils ont cru. Frère? Voilà. Les gars? Ouais. Mais il vient de se passer une dinguerie là? Les gars? Ouais. Il vient de se passer une dinguerie? Qu'est-ce qu'il y a? La tête de ma mère qui vient de dire. Ils viennent de dépop! Mais normal, il y a eu un lag. Non, frère, ils étaient 4 et genre, il s'est fait TP. Frère, il y a eu dinguerie là. Bah attends, mais moi je vais me renseigner, qui c'est qui peut faire ça hein. Tiens, Manette, tu connais bien le mode, toi? Ouais, attends, c'est quoi ça? Qui se fout de notre gueule là? Y'a Tuzo parmi nous là? On est d'accord? Ah ouais, frère. Attends, mais il faut le dire ou pas ça? Y'a un groupe d'un coup qui a dépop. Genre, ils étaient un groupe de, tu vois, de 4 là? Ouais, c'est extension de toi. Et genre, ouais, ils ont dépop d'un coup. Qui? Alors, y'avait Swick. Ok, bah voilà, ils sont méchants, je l'avais dit. Je l'avais dit, les gars, ils sont méchants et y'a personne qui est mort. Mais c'est méchant, forcément, ils sont sur son territoire? Non, mais en fait, j'avais des suspicions sur tout son groupe. Et qu'il y ait une extension de territoire comme ça, je pense qu'ils sont full méchants. J'ai vu Swick et puis ça dépop. Alors là, par contre, ça. Merde, c'est bizarre, c'est quand même. De quoi, question? Ok, je pars. Ah ouais? Ils sont méchants? Qu'est-ce qu'il fait? Il se taille en balle? C'est des méchants? Je sais pas, mais il est bizarre. De qui agressif? Ouais. Oh, il a des infos, mais il veut pas nous Je sais pas. Et il a cramé que j'étais méchant, agressif ou quoi là avec son rôle? Parce que frère, il a des pop d'un coup. Bon, j'essaye un peu de m'infiltrer, hein, vous avez capté. J'ai pas lancé un petit peu des trucs que j'ai vu là sur. Yo! Ça sert à rien de stacker. Ah. T'as d'autres pseudos, Pega, par rapport au. Pourquoi il y a encore la zone là? Mais c'est Adlès du coup. Bah, et frérot, il y avait toi qui était là il y a deux secondes. Ah non, mais il y avait plein de personnes, mais ce truc là il s'est activé avant, il y avait la manette. Oui, là, pour moi, je rentre dedans, là. J'ai deux, méchant. Ah ouais? T'as des infos sur le vol ou pas, Guy? Sûr? Shadow sur 200%. What? Ah bah, c'était gentil, du coup. Apparemment, Shadow, t'es méchant. C'est Wixi qui le dit. Ça, c'est quelqu'un, du coup, en rouge? Bah, rouge, c'est... Généralement, c'est méchant. C'est moi. Et voilà, il y a un conflit entre plusieurs groupes, hein. Bah, entre toi et le groupe de Shadow, tout, il y a... C'est un fight, quoi. Ça s'accuse. Ah bon? T'accuses quoi? Entre moi et le. Pourquoi ouais, moi? Enfin, toi t'accuses de Shadow et Shadow. Non, frérot, j'ai dit que Wixi. Ouais. J'ai dit que Wixi avait dit que Shadow était méchant, c'est tout. Que lui était méchant. Ouais, enfin bon, c'est cringe. Ça te pense méchant, Pegafil? Ça me pense méchant. Bah, y'a des gens. Yo, ensemble, les gars. Ça va? Hello. Ça va, Todo? J'ai envie de rester à côté d'eux. Ça commence à chauffer pour moi, j'ai l'impression là ils ont des infos sur moi que je suis méchant. J'ai envie de rester, de leur dire que je suis méchant avec eux au cas où ils le savent pas. T'as des infos, mais oui, mais vous avez pas capté encore. Bah si, c'est bon, on a capté. Si, c'est lui. Je reste en dessous de vous en fait. Ok. Comment ça? Les gars sous les arbres là. C'est avec les mecs, on est trop sympa. Vas-y, allez. Yo, Pega, ça va? Ouais, je te reste avec vous ou pas? T'es enfant? Bah apparemment non, je pense pas, mais ils ont juste dit j'étais sous les armes, mais bon maintenant. Vous avez un peu de garde ou quoi les gars? Ah non, c'est que ça, non. Le mec qu'on a tué, c'est Swick, il avait rien. Ah ouais? Bah c'est quoi? Ouais, j'ai un rôle de merde s'il te plaît. Quoi? Écoutez. Vous me tuez pas, je vous dévoie pas, c'est bon quoi? Alors Altastra, il reste 30 secondes là les rues. Voilà, je vois, c'est bon. Pitié les rues. Quoi? Attends. Non, arrête, j'ai pas beaucoup de cœur. Non. Ah oh la malchance du type quand Attends, même. C'est où? Oh, c'est finito ça l'art. Ah, Swick. Non. Oui. Ah, il était tagué, ouais. Donc faudrait trouver deux mecs
Et pas un gros plus gros, parce que si on se retrouve en égalité numérique. Oh, attends, je vais j'ai oh, ça veut dire que l'autre est. Erwan est safe. Erwan est safe. Mais c'est sûr que le groupe de Fryzen est vraiment safe hein, pour le coup. Hein. On va y se tenir sur un stand des... si on trouve un petit groupe ou quelque chose. On est tous stoppés dans la zone. Il faut juste. Ceux qui sont autour de moi. Les 5 mecs les plus proches de moi. Allez, du monde à gauche. Erwan, t'es méchant par contre. Hein. Bah, si, pour le coup, si. Bon, hein. Surtout quand on connaît déjà, vous faites votre. Putain. Merde. Ouais, force à moi. Quoi? Oh la vache. Faites gaffe à pas vous mettre trop de... Bah c'est un peu con mon ref. Mais enfin, mais l'eau. Putain, putain. En vrai c'est pas con hein, parce que soit il reste dans l'eau et je le follow. Bah oui. Soit il est en dehors et... et il se fait baiser par le feu. Putain, putain. J'ai... Oh c'est Panda les coups. Ça fait, bon, ça fait 6, quoi le doigt? Je passe à 8, c'est un ça donne un cœur en plus. Ça va. Alors... Oh pitié, ça l'art, oh pitié. J'avoue. Y'a qui avec nous là? On me dit pas qu'il y a que lui. Ah si. Ah non, me dis pas que vous êtes. En fait, c'est 5 avec moi qui étais. Oh là là. Ah non. C'est une catastrophe. J'ai deux mecs avec moi en plus du coup. C'est une catastrophe. Oh mais attends, j'ai la ref, incroyable. Bah, Vega, du coup, y'a Tatnux avec nous. Et qui d'autre? Schmitt. Ah ouais? Schmitt. Je mets Tatnux. Quoi en 300-300? C'est un peu obvious. Ouais, c'est bon, 2-4. En 200-300 si tu veux. Vas-y, go 200-300, je GGK back. Ah oh mais j'y suis, je suis à 100 blocs. 200-300, je suis à même pas, je suis à 50 blocs. Ah non, ils l'ont TP. Il y a combien de gens? Drawnix, non? Ah ouais, attends, il y en a un qui a 13 coeurs. On est en 200-300, what the fuck? C'est le gros, c'est les deux solos là? Pourquoi il y a un silence là? Oui. Une catastrophe! Oh, t'as tellement pas eu de chance. Oh le bâtard. Oh, il a bien joué. Hein. Ouais. Oh, c'est un enfoiré. Oh le bâtard. Non. Ah oui, non, mais c'est vrai. Il a fait un move incroyable sans le savoir, gros. Ouais, oh, les gars, c'est terrible ce qui s'est passé. Il est mort, Salard, ou pas? Oui, il est mort. Les gars, on est 200-300 et je vois une marée d'Erwan et tout arriver, oui. Fryzen. Et là, je vois Salard qui arrive en même temps et qui se fait courser. Là, c'était terrible. Bah, y'a Fryzen. Normalement, vous me rattrapez pas. Si j'arrive à run. Agressif. Ok. Ils sont partis où les autres? Je sais pas, frère, ils ont pas suivi. Ils ont dit on a un problème, je sais pas quoi, et. J'en sais du tout. Merci. Oh non, Erwan n'est pas dedans, j'ai pété un câble. Comment ça se... Oh non, j'ai bouffé une carte. Oh non. Il peut pas être caché? Bah si, on l'aurait vu quoi. Frère, il était vraiment au-dessus hein. Bah ouais, je pensais qu'il était dans le bas déjà, j'ai pas vu le... Ah putain, ça fait deux fois. Et sur les 8 méchants... Altastra. Toi, moi. Donc on est 3. Flumit, Mathieu. Vent. Et... Ah oui, Vent, je sais pas. Bon, on se retrouve en moins... Pas même coup parce qu'ils étaient là du coup. Ouais. Bah l'inverse, moins 200, moins 300. Ok. Je suis encore proche. Enfin, vite fait. Je suis là. Ok. Il y en a encore là chez nous qui, à part toi, qui a une extension? Non, parce que non. Il y avait que ça la réponse. Ah, t'es trop important en fait. Que moi je te le dis, dès que je vois agressif qu'on va fight, j'utilise mon truc. Hein. Je pense que c'est lui. Tout le monde les voit. Y'a Vince à côté. C'est terrible ce que l'on vient de voir.
On est trop séparés, putain. A l'aide. Ah, c'est Pega. Allo, pardon. Pardon, ouais. T'as des gaps ou pas? J'en ai 3. Non, putain. Oh non. Au final, Pega, t'as raison, c'était moi qui avais mis le vol au début. Ah, y a un autre monsieur derrière là. À l'aise, derrière toi. Oh, mais ça lag la FPS. What? Mais j'ai trop. Oh, y. Jouer safe. Les gars. Ok. C'est bon. T'as des gaps ou pas? J'ai mis où ma hache? Adlès, vite. Ouais. Des gaps? Quoi? Non, attends. Ah oui, tiens. Vite. Quoi, là? Ouais, mais il se fait. Viens, on va aller au Darling. Je dois récupérer son cadavre. Il est parti par là. J'ai 4 coeurs. T'as 4 coeurs? Tiens. Ouais. Attends, Nulele avec nous? Sûrement, ouais. Non, mais il faut qu'on le retrouve par contre. Dans 5 minutes, j'ai mon extension. On fight pas sans lui, on fait pas de 2v3. Ouais, mais viens. Déjà, on va attendre ton extension et on retrouve Nulele, c'est mort. Ok, on peut gagner. Mec, attends, il est encore vivant, l'autre connard de Gojo là? Non, j'ai tué. Ok. C'était qui au final? C'était Live. Ah, voilà. Ouais, let's go. J'ai couru. Vas-y, on est ensemble, c'est bien. Frérot, on reste à côté de Darling parce qu'il a une. Faut vraiment que tu le lâches pas. Il a une extension de territoire. T'as un doigt Pegafi ou pas? Non. C'est le cœur en plus qui fait win. J'ai mon extension. Ah ouais, pardon. T'as ton extension? Allez go les gars. Vas-y, on y va en silence. Ce serait trop bien qu'il remarque pas. Qu'on ait que d'Azilito et qu'il remarque pas les autres. Derrière. Putain, quand même. Allez, c'est la bonne les gars, c'est la bonne. Non mais surtout que... On est suivi depuis je sais pas combien de temps. C'est exactement celui qu'il fallait choper. T'as moi, Darling? Pas besoin. Pas que. Ah, dommage. Ah, bah super. Ah, mais non, je sais pas. Ah, oui. Non, t'as la résistance. Ah, j'ai. Ok, j'ai 11 gaps. J'en ai 4 et j'ai toujours pas gap. Tiens. Merci. On se retrouve. Moins 200. Elle a 200, les gars. Vous pariez combien que Nulele il a pas écouté? Quel cache de fou de Darling. Quel cache de fou. Il a été pixel. C'était celui qu'il fallait choper et en plus tout seul il a chopé. Pixel. Darling, je suis là. Et merde. Vas-y. On les fight pas hein. On peut en soi, mais faut. Non, on attend Nulele. Sur moi, je peux pas. Ah. Y'a Gitch. Attends, sors. C'est bon. Vas-y, pas à deux, hein. Bon, je crois que j'ai une tatane. Ouais, une grosse tatane même. Oh, ça va, j'ai pas force, hein. Mais là, c'est quoi leurs effets? Résistance et force terme, hein. Ok. Qui c'est qui a force? Y'a. Yeah. Le gold drop, hein. Résistance, ça va être trop chiant. Ok, tempo. Ok, nice. Bien joué. Je suis bien, hein, je suis archi fine. J'ai aïe. La prédit de Pegafil qui ne passera pas. Je vais une bonne perma, Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre votre plus gros like. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle vidéo. Et à mercredi si vous êtes des boss. En attendant, portez-vous bien, je vous fais des bisous, c'était Pegafil. À très bientôt, ciao.